Bonjour, je m'appelle Alicia, bienvenue à cet épisode de Ça vaut le détour. Aujourd'hui, je rencontre Audrey Michaud-Ryan, spécialiste dans l'éducation canine, qui nous éclaire sur les comportements des chiens et nous donne de précieux conseils au sujet de leur éducation. Je me suis entraînée avec une équipe féminine de bateaux dragons à Saint-Augustin, les Chippies. Ce sport peu commun demande beaucoup de rigueur, mais surtout un très bon esprit d'équipe puisque les 20 pagayeuses du bateau doivent ramer au même rythme et s'entraîner très fort en vue des compétitions. Mais pour commencer, je vous emmène à Sainte-Odile, tout près de Rimouski, où Mireille, le chasseur et sa famille m'ont initié à l'embouteillage de l'hydromel, un vin fabriqué à base de miel. L'embouteillage est la dernière étape du processus de production et pour récompenser nos efforts, on a pu goûter à cette cuvée qui maturait depuis plus d'un an. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Bonjour tout le monde! Bonjour Alicia! Vous allez bien? Oui! Bon, je viens vous aider aujourd'hui. Bon, alors, on va faire de l'embouteillage de l'hydromel. Oui, ça va être une super belle journée, ouais. Tu vas voir ça. Mais pour commencer, la salubrité avant tout. Oui. Donc, on commence par mettre un tablier blanc, le filet, bon, deuxième, et troisième étape, se laver les mains. D'accord. Aujourd'hui, on embouteille 500 litres d'hydromel. Ça représente combien de bouteilles en verre? Bien, c'est 500 litres de départ d'hydromel. Ensuite, avec la filtration, c'est sûr qu'on en perd un peu. Donc là, qu'est-ce qu'on va embouteiller? C'est à peu près 500 bouteilles de 750 millilitres. Okay. J'imagine que quand on fait plusieurs dizaines de bouteilles, à un moment donné, on doit prendre la main aussi, puis ça doit devenir plus automatique un peu. Oui, c'est ça. Parlons un petit peu du travail d'équipe parce que je travaille avec ta maman, ton papa, ton frère aussi qui est très impliqué dans la fabrication d'hydromel. Comment ça se passe un peu ce travail d'équipe ensemble? Bien, on a été élevés dans l'entreprise, donc on a vu dès notre jeune enfance voir nos parents travailler en équipe. La complémentarité qu'on a ensemble, les tâches qu'on a à faire, mais ça devient plus des tâches, justement. Ça devient des activités à faire. On a chacun nos spécialités, chacun nos façons de voir aussi l'entreprise. Garçon, fille, bien, c'est pas pareil. Puis ça finit par être complémentaire. Il faut être ouvert aussi. Puis mettre de l'eau un petit peu dans notre hydromel. Parfois, certaines journées, mais... Finalement, en bout de compte, là, c'est vraiment du bonheur de travailler avec mes parents puis de travailler avec mon frère, là, avec tous ces défis-là. Particulièrement aujourd'hui, Mireille, bon, c'est l'embouteillage de l'hydromel, l'hydromel de cassis. Puis vous êtes ensemble, encore une fois, là, avec ta famille. Comment ça se passe? C'est une journée que vous aviez hâte? Vous travaillez toute la journée ensemble? Oui, mais c'est une journée qui a été préparée il y a 2-3 jours. Hein? Donc, il y a eu une première filtration de l'hydromel là, par mon père puis mon frère, donc Jean-Guy puis Alain. Donc, l'hydromel était déjà pré-filtré. Puis ce matin, bien, tout le monde était prêt au poste. Il restait une dernière filtration à faire, le nettoyage des équipements. Tout le monde a un peu ses tâches à faire. On a chacun nos spécificités ou nos forces. Hein? Pour l'embouteillage, ça prend vraiment de la force à la fin. Donc, on est tous là, on met la main à la pâte. Tout le monde en a préparé ce matin là, notre petit bout d'équipement. On s'est entraîné. Mmh. Puis là, bien... on met en bouteille, puis à la fin de la journée, bien, on est content parce que le travail est fait. Il est bien fait, il a respecté nos normes, nos standards que nous, on s'est établis. Puis on prend un petit verre à la fin, puis on est vraiment content. Puis en plus, avec le décor qu'on a, puis les cassis, tu sais, pour faire l'hydromel de cassis, bien, ils sont juste là. Ils sont juste là derrière. Donc, ils sont toujours là. On a toujours des abeilles un petit peu alentour qui viennent butiner aussi. On a les fleurs. Donc, tu sais, c'est vraiment une activité qui nous comble aussi parce qu'on a préparé quelque chose. Mm-hmm. Ouais, c'est vraiment gratifiant. Je finis la caisse, il m'en reste deux. Et voilà, la caisse est finie. Mireille, on a dû s'isoler pour l'entrevue, mais je pense que ce serait bien qu'on retourne les voir pour voir si tout se passe bien, puis si l'embouteillage suit son cours normalement. Oui, c'est sûr que je peux partir un petit peu, mais vraiment, la tâche continue, donc on va y aller. OK. Bon, alors, ça a bien été. Est-ce que je vois, t'es rendu à combien de caisses? On est rendu à 18-20 caisses, à peu près, de fait. Là, on n'est pas loin de la moitié.
Pas... Ah, OK. Donc, ça a quand même... ça a bien roulé, même si avec Mireille, on n'était pas là. C'est bon. Là, la partie le fun, on va aller déguster l'hydromel. On a travaillé fort, je pense qu'on l'a bien mérité. Hein? Oui. OK, on y va. Un petit ton rougeâtre et ça sent le cassis. Chin. Chin. Bon, c'est de la petite pause au milieu de la journée. Est-ce que j'ai fait du bon travail ce matin? Oui, oui, oui. T'as appris vite, t'es efficace. Moi, je t'engagerai. OK. Oui. Ah, merci. Merci à vous tous pour le bel accueil ce matin. Vous travaillez fort, puis bonne continuation, puis bonne fin de journée. Merci. Quand on travaille dans une petite entreprise comme la Miellerie Le Château Blanc, il est indispensable que tous les membres de la famille participent aux tâches quotidiennes. Chaque étape est importante et demande un tour de main qui s'acquiert au fil du temps. Ce n'est qu'à la fin de la journée qu'on peut enfin se tremper les lèvres dans l'hydromel et savourer le fruit du travail bien fait. Le bateau dragon est un sport nautique d'équipe regroupant 22 personnes, dont 20 pagayeurs ramant de façon synchronisée dans une très longue pirogue qui mesure plus de 10 mètres. D'origine chinoise, ce sport est devenu de plus en plus populaire au Québec et l'équipe des Chippies participe depuis 4 ans à des compétitions amicales dans la province. J'ai rencontré l'entraîneur de l'équipe, Julie Robitaille, qui m'a permis d'embarquer dans le bateau et de devenir le temps d'une soirée l'une des 22 Chippies. Je suis présentement avec Julie Robitaille, qui est entraîneur de l'équipe de bateaux dragons, les Chippies. Comment ça va, Julie? Ça va très bien. On est juste avant un entraînement. L'eau est plus ou moins calme, mais on attend justement les Chippies qui s'en viennent. Parle-moi un petit peu, tout d'abord, du sport du bateau dragon, l'historique. C'est un peu nébuleux, là, l'histoire du bateau dragon, donc je voudrais pas qu'on pense que je suis spécialiste. C'est très vieux, le bateau dragon, ça date de plus de 2000 ans. Alors, c'était vraiment à l'époque, en même temps que la Grèce antique. Et... au niveau, bon, dans l'histoire chinoise, le dragon bien, représente le dieu des mers et des rivières. Et au moment des sécheresses, il faisait des combats et des courses de bateaux pour avoir des sacrifices et pour inciter la pluie. Mm-hmm. C'était dans leur façon là, d'assurer la pluie. C'est la distribution des chandails! Hey, ben oui, ils sont vraiment... Toi, ah, merci! Bien. Je vais le porter pour la pratique. Et voilà, le chandail des Chippies. Alors, on est prêt à aller ramer. Le bateau dragon, c'est un sport super intéressant parce que c'est quelque chose qui est accessible vraiment à tous, peu importe la condition physique. Il y a plusieurs niveaux, donc ça peut être monsieur, madame, tout le monde qui veut venir jouer dehors, être sur l'eau, on travaille en équipe. Comme il y a des niveaux où on devient plus sportif, plus compétitif, et là, il y a des équipes élites aussi qui ont des entraînements 12 mois par année en équipe. Mais tout le monde peut se permettre d'essayer le bateau dragon. Puis on parle de combien de personnes dans un bateau? Dans le bateau, au moment qu'on s'entraîne, on a 20 personnes qui rament. Il y a moi à l'arrière qui donne les consignes et qui tient la barre. Et on peut avoir quelqu'un assis en avant, comme vous allez voir plus tard, au niveau du drum, qu'on appelle en mauvais français. Mais qui peut répéter les consignes qui se donnent à l'arrière. Les filles, ce soir, on a Alicia qui se joint à nous. Hello. Elle va essayer le bateau dragon. J'ai expliqué les rudiments. On va essayer de s'asseoir en avant puis voir si elle est pas si pire. On va faire le rythme en avant. Ouais, elle va nous faire le beat. Vous allez toutes me suivre, ça a l'air. Au niveau des entraînements, on parle de combien d'entraînements par semaine? Bien, le club de bateau dragon de la capitale, qui a plusieurs équipes, dont les Chippies font partie, s'entraîne. La majorité des équipes s'entraînent deux fois par semaine, donc deux fois une heure par semaine, tout le monde ensemble. Dans le bateau, on a 20 permanentes habituellement, puis on a plusieurs remplaçantes afin de s'assurer que le bateau est toujours plein au moment des pratiques. C'est sûr que quand on se ramasse moins dans un bateau, bien, les pratiques peuvent être plus difficiles. Mm-hmm. Alors l'idéal, c'est un bateau plein, mais l'été étant la période des vacances et tout, c'est normal à un moment donné que le bateau n'est pas toujours plein. Puis finalement, vous faites bon, deux entraînements par semaine en vue des championnats. Est-ce qu'il y a des courses officielles que vous faites? Les championnats, on peut aller au championnat par équipe, qu'on appelle, où il peut s'organiser des équipes où ce que les gens qui sont intéressés puis qui sont un peu les meilleurs éléments, là, mm-hmm. si tu veux, vont se préparer une équipe pour aller au championnat canadien en représentant le club dans lequel les équipes des rameurs font partie. Mm-hmm. On va chercher loin en avant. On descend avec notre corps. Pensez à vos points à améliorer. Le bras du haut, la main du haut. Tout le monde avec le sourire. Ah!
Bon, on est réchauffé. On est très réchauffé. Comment ça se passe, Alicia? Bienvenue au bateau dragon avec les chippies. Bien, c'est quand même dur, mais écoute, je sens qu'il y a une... Il y a un rythme qui s'installe, là. Ça va bien, quand même. Tu dois être dans une forme fantastique. J'essaye. J'imagine qu'il y a un certain esprit d'équipe aussi qui s'installe. Il y a 20 filles qui sont dans le bateau. C'est absolument, ça prend ça. Ça prend une chimie, ça prend des personnalités qui vont bien ensemble parce qu'on travaille fort ensemble. Je suis exigeante avec eux autres aussi. Et la chimie qui se fait parce que c'est vraiment... Le bateau dragon, c'est aussi un sport dans lequel on peut faire du team building. Alors, ça arrive régulièrement qu'une équipe va devenir à faire des activités en dehors du bateau dragon parce que la chimie s'installe et les personnes ont le goût de faire d'autres choses aussi. Puis ils travaillent fort sur l'eau, puis après ça, il va y avoir d'autres activités qui vont venir avec tout ça, là. Qu'est-ce qui t'allume dans ce sport-là? J'ai eu un coup de cœur, moi, il y a 4 ans, pour ce sport-là. Puis l'équipe auquel je me suis jointe, elle avait déjà, elle aussi, une belle chimie. C'était une équipe compétitive. Et via cette équipe-là, j'ai pu découvrir les autres équipes du club aussi. C'est par comme ça que j'ai découvert les chippies aussi, qu'à un moment donné, dans une compétition, il manquait une rameuse et ils m'ont demandé de me joindre à eux. Et j'ai découvert cette belle équipe-là qui a vraiment une... Il y a de quoi entre ces filles-là, il y a une énergie, il y a une vibe, là, excusez l'expression, mais qui est particulière, que j'ai pas vue dans d'autres équipes. Mais indépendamment de ça, dans la communauté du bateau dragon, en général, c'est particulier aussi, là. Il y a vraiment de l'entraide à travers toutes les équipes. On compétitionne une contre l'autre, mais on est content quand les autres font des belles courses aussi. Les chippies, c'est particulier. Dans le club, c'est particulier. Dans l'univers du bateau dragon, c'est vraiment un sport là, très, très, très intéressant. Je dois l'avouer, ce n'était pas ma première expérience de bateau dragon, mais cet entraînement-ci était particulièrement intense. Julie n'hésite pas à encourager et pousser au maximum les pagayeuses afin d'améliorer le temps chronomètre et de terminer la saison avec des médailles au cou. Alors aujourd'hui, on est avec Audrey Michaud-Ryan, qui est propriétaire du Chien Coureur ici à Rimouski. Et tu es spécialiste en comportement canin. Alors bienvenue Audrey à Ça vaut le détour. Allô. S'attarder au comportement canin, c'est quand même assez nouveau. Pourquoi est-ce que c'est si important de le comprendre? Bien, je pense que c'est vraiment important de le comprendre parce qu'il y a énormément de stéréotypes qui véhiculent sur les chiens, sur les comportements qu'ils offrent, comme quoi s'ils nous lèchent des bisous, on sait lire la queue qui branle, mais encore là, un chien peut branler la queue avant d'attaquer. Donc, il y a plusieurs signes qui sont trompeurs et qui méritent qu'on connaisse mieux le langage canin pour mieux les lire puis prévenir vraiment toutes les problématiques. Là. Tu les connais justement, les signes? Là, c'est un peu un langage non-verbal. Nous, on communique pas. Non. Ils n'utilisent pas des mots finalement pour nous exprimer leur émotion. Parle-moi-en justement de ces signes-là. Bien, ils n'expriment pas des mots, mais je pense qu'il y a des manières de parler qui sont plus subtils, mais que nous aussi, les humains, on utilise, que ce soit si on éprouve un malaise, on va rarement regarder quelqu'un dans les yeux très intensément, donc peut-être détourner le regard, parler d'une voix un petit peu plus aiguë, éviter la situation. Les chiens le font d'une manière très pareille, en fait. Ils le font régulièrement, mais ce sont des signes que nous, on ne voit pas. Ouais. Donc, on ne porte pas attention à ces signes-là. On préfère voir vraiment les gros signes, le sauter, japper ou grogner, par exemple. Est-ce que tu aurais des trucs à nous donner justement pour les premiers mois du chien, pour l'aider à bien s'établir pour le futur finalement? Mon conseil général irait au fait que pour créer des associations positives, il faut pouvoir faire « oui, bien ça, ça se passe et c'est positif ». Ce positif-là, au niveau du chien, il ne se fait malheureusement pas à travers les yeux d'un humain. C'est-à-dire « ah, regarde, c'est positif pour mon chien, il se fait flatter pour tout le monde, ça va bien ». C'est de rentrer dans la tête du chien, comment on s'assure que ça se passe dans sa tête. Et une des manières les plus simples, c'est de le nourrir dans ces moments-là. Parce que c'est sûr que si, bon, c'est imagé, là, mais si le chien recevait une livre de bacon à chaque fois qu'il était en présence d'enfants, ah ben là, on se tromperait pas. C'est sûr, c'est positif. Fait que c'est vraiment de s'assurer que pour le chien, c'est positif et non pas pour l'humain qui l'entraîne. Donc, de vraiment associer le plus souvent possible des situations avec du jeu ou de la nourriture. Puis à l'inverse, Audrey, justement, quelles sont les erreurs que les gens font le plus?
Je pense que c'est un peu paradoxal parce que souvent, les gens disent « Ah, oh, mais tu sais, c'est un chien, il ne faut pas l'humaniser. » Mais sur plusieurs facteurs, ils humanisent énormément les chiens. Comme quoi les chiens seraient nés avec l'idée de vouloir se faire caresser par tout le monde, que tous les chiens, à chaque fois qu'ils voient un chien, ils voudraient systématiquement le rencontrer. Et ça, c'est vraiment faux. Dans le sens que si on regardait les chiens commensaux, donc les chiens qu'on étudie aujourd'hui, donc beaucoup plus que les loups, on se rend compte qu'ils n'ont pas toujours besoin de contacts sociaux, ce ne sont pas des animaux de meute. Les contacts, ils vont en avoir que si c'est nécessaire. Donc, probablement, quand on marche un chien en laisse, la meilleure des choses à faire, ce serait de leur montrer qu'ils ne vont jamais rencontrer les autres chiens, qu'ils vont rester à nos côtés, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter de ça, combien de chiens se mettent à tirer comme des fous quand ils croisent des chiens. Oui. Et la même chose, c'est-à-dire que si nous, on marche dans la rue, on avait un enfant à nos côtés, un monsieur viendrait pour caresser notre enfant, on ferait « ben non, c'est inadéquat ». C'est pas plus adéquat avec un chien. C'est sûr que le discours que tu nous dis, bon, on a toujours entendu le chien, c'est le meilleur ami de l'homme, mais on s'entend qu'un chien, c'est un animal et ouais. Il a besoin de respect aussi. C'est quoi les conseils, justement? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne dans cette idée-là? Bien, que les chiens sont des êtres qui adorent être avec l'humain. La domestication a fait son impact à cet effet-là. Mais pas n'importe quel humain, dans n'importe quelle circonstance. Que si on aime les animaux, la première des choses, c'est de vérifier s'ils veulent un contact. Souvent, je vois beaucoup les gens approcher leurs mains. C'est probablement une des pires choses pour se faire mordre, surtout si le chien est attaché. Donc, première chose, si on rencontre un chien, peut-être le laisser venir à nous. Donc, s'il a envie qu'il rentre dans notre bulle, éviter le contact visuel qui est toujours très intrusif pour le chien, qui peut être aussi agressant. La plupart des chiens vont peut-être japper si on regarde très intensément dans les yeux. Donc, leur proposer ce respect-là, de ne pas être trop intrusif, de les inviter à venir vers nous. Puis s'ils viennent, bien là, peut-être les toucher, oui. Audrey, on est au parc Beau Séjour. Bon, il y a des nombreux chiens qui passent, des gens aussi. Tu as deux chiens, tu as ton lévrier puis ton berger allemand. Je sais que les bergers allemands sont un petit peu plus reconnus pour être des chiens de garde. Est-ce que c'est vrai? Bien oui, parce que c'est leur... chez plusieurs types de chiens de berger, c'est ce qu'on va aller chercher, l'espèce de méfiance envers les choses qu'ils ne connaissent pas. Les gens pensent souvent à tort que les chiens jappent pour nous avertir. Or, le jappement chez le chien est arrivé bien avant l'arrivée de l'homme dans l'histoire là, de la domestication. C'est-à-dire que les jappements, pour le chien, ont une fonction, soit de faire partir ce qui les font peur, donc les intimider, ou dans un autre cas, d'avoir une proximité en frustration. Par exemple, les chiens peuvent japper pour avoir accès à quelque chose, accès à leur balle ou accès à quelque chose qu'ils veulent vraiment. Audrey, est-ce que c'est au maître à s'adapter au chien, dépendamment des races, ou c'est plutôt au chien à s'adapter à ton mode de vie? Bien, je pense que c'est un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que quand on choisit son animal, on devrait être conscient du niveau d'énergie que la race ou l'individu peut avoir et qu'il faut essayer de mallier ça dans notre mode de vie. Surtout aussi au niveau éducatif, de faire attention à ces stéréotypes-là qui véhiculent que l'éducation serait tellement différente entre un Shih Tzu et un Doberman, par exemple. Alors que les méthodes éducatives sont toujours les mêmes. On parle de la science du comportement. Le conditionnement classique n'a aucune discrimination entre les races. Nous-mêmes, on apprend par conditionnement classique sans le savoir. Donc, tous les animaux apprennent quelque part de la même manière. Oui, ils ont des spécificités au niveau de leur espèce. Mm. Ils n'ont pas les mêmes réflexes. Mais les chiens, en fait, c'est pratiquement toute la même espèce. Là. Mm-hmm. Toutes les races, ce sont nous qui les ont créées. Donc, ils opèrent de la même manière. Ouais. Merci Audrey pour tes précieux conseils. Je pense qu'on se rend compte aussi que c'est avoir un chien, c'est un petit peu plus complexe que ce qu'on pense. Oui. Tu nous l'as bien expliqué. Alors merci d'être passé à l'émission Ça vaut le détour. Merci à vous, ça fait plaisir. Ciao. Oh là là, il nous dit bye. Bye bye. Bye bye.